Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux, c'est Albert Alexis. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons voir Terminus. Donc qu'est-ce que Terminus? Donc Terminus c'est un jeu. Donc c'est un jeu qui va nous apprendre, un jeu d'aventure, qui va nous apprendre à utiliser la ligne de commande. Donc vous allez sur le site linuxfr.org. Donc on va dire que cette dépêche elle date d'hier, donc on était le lundi 20 novembre 2017. Donc en 2011, des étudiants et étudiantes du MIT ont eu l'idée de passer par le biais du jeu vidéo pour apprendre à utiliser la ligne de commande GNU Linux aux non-initiés. Et 3 ans plus tard, sortait le jeu Terminus. Donc là, on a un accès jouable et aussi accès au code source. Donc on va faire l'accès jouable du jeu Terminus. Donc c'est comme si on se retrouvait dans un terminal. Donc là, je peux taper par exemple ls. Et bien sûr, en fonction du jeu, de la commande du moins que vous allez mettre, vous aurez une image qui va apparaître. Donc je vais tester la commande cd avec la touche tabulation ls. Donc ça, c'était, on va dire, la première version, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça, c'était la première version, on va dire, originale du jeu Terminus. Et lorsque je continue, on va dire, la lecture, l'an dernier, deux Bretons francophones inspirés, après de nombreuses recherches d'un outil amusant et ludique pour faire connaître leur système d'exploitation préféré aux non-initiés, décidèrent de traduire et reprendre la conception du jeu. Donc bien sûr, il y a des adaptations qui ont été faites, ils ont inclus de la musique et du son, etc. Donc à terme, ils disent que le jeu sera utilisable, c'est presque le cas, par des personnes malvoyantes disposant d'un lecteur d'écran. Donc la démo du jeu et le code source sont disponibles ici. Donc là, on va faire la démo du jeu. Donc le temps que ça se lance. Alors est-ce que je peux monter avec les flèches? Si je tape par exemple 4, ce qu'on peut. Voilà. Et ici, si je tape ls, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le pousser. Je tape cd. Fait monter, donc ls et ls. Donc on va dire que le jeu est en train de se lancer. Donc bienvenue, un message d'accueil, bienvenue dans Terminus. Donc, appuie sur la touche entrée. Donc on nous donne des commandes de base, 3 commandes de base, 4 pour examiner en détail, ls pour lister et cd pour changer de destination. Donc je vais déjà lister. Donc j'ai 2 chemins à prendre, soit bois des lutins ou prairie. Et je peux parler avec palourdes, donc 4 palourdes. Donc pensez bien à mettre P majuscule pour palourdes, parce que je fais PA minuscule et tabulation. Ça n'a pas fonctionné parce que le système GNU Linux est sensible à la casse. Donc si palourde a un P majuscule, mettez-lui s'il vous plaît son P majuscule. Donc je peux maintenant, je pense, aller dans CD prairie. Voilà. Donc on nous dit qu'un poney, je vais lister. Je vais voir le beau petit poney. On va discuter avec la commande 4 et poney. Donc on a une autre commande, on dit d'aller vers montagne. Donc on va dire que c'est un moyen ludique d'apprendre la ligne de commande. Donc je vais peut-être lister maintenant pour voir si je trouve le vieil homme avec sa belle barbe blanche.
Donc on peut discuter avec 4, on va dire vieil homme. Tabulation. Donc là, je vais laisser faire son petit speech. Donc là, il me donne le manuscrit. On peut voir qu'est-ce qu'il y a dans le manuscrit avec une nouvelle commande exit. 4 manuscrits MA tabulation. Donc là, on me donne de taper L pour avoir la liste. Et man pour connaître, on va dire, la commande. Par exemple, si tu veux savoir comment utiliser MV, alors tape man MV. Donc là, on va faire les commandes help. Voilà. Donc ça va un peu nous résumer, on va dire, les commandes qu'on a déjà vues et la signification. Si maintenant je fais par exemple man, par exemple CD. Ou man, on va dire ls. Et je peux aussi faire un man man. Donc là, il me donne un peu les principales commandes. CD, LS, RM, MV, exit, help, man, touch, grep et PWD. Donc là, je vais, on va dire, je vais sortir de là. C'est simplement pour vous faire, on va dire, une petite démo de ce jeu, on va dire Terminus. Donc si je reviens, on va dire sur la dépêche. Aujourd'hui, les créateurs de cette nouvelle version cherchent des testeurs et de l'aide pour agrandir et complexifier le jeu. Si vous souhaitez participer, nous sommes très ouverts aux critiques et à l'évolution de notre média sous toutes ses formes. Donc voilà, si vous voulez tester ou essayer des compétences de jeux vidéo, eh ben, n'hésitez pas à y aller. Donc ici, nous avons trois liens en anglais et le dernier lien, c'est, on va dire, c'est la démo du jeu. Donc sur ce, je serai pas plus long. J'ai dû refaire cette vidéo parce qu'en fait, vu que c'est la première fois que j'ai utilisé, on va dire, ce soir OBS, j'ai pas vu qu'il m'ait pas enregistré dans la totalité de l'écran. Donc j'ai dû refaire cette vidéo. Donc c'est, on va dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc du coup, je serai pas plus long. Je vous dis très bon test à vous pour ceux qui va utiliser, que ce soit adulte ou petit, la ligne de commande avec Terminus. Donc j'ai hâte, on va dire, à être à la version finale de ce jeu. Sur ce, gardez la pêche et la santé. En attendant ma prochaine vidéo, je vous dis, passez une bonne soirée. Bye bye.